Shalom Alechem, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, j'ai envoyé un quiz et on a dit que c'est lui qui va gagner Be'ezrat Hashem. On va faire un tirage au sort avant Shabbat. C'est lui qui va gagner Be'ezrat Hashem. Il aura un cadeau, une mezouza, Me'uderet. Et là, on va donner les réponses sur toutes les questions. La première question, c'était: qui est les cinq couples qui sont enterrés dans la tombe? Dans le tombeau des patriarches. On connaît tous les quatre, Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Qui c'est le cinquième couple? J'ouvre une parenthèse, on sait tous que la tête d'Esav, elle est enterrée là-bas entre les jambes de Yaakov Avinu. C'est Hushim ben Dan qui a fait cette chose. Je referme la parenthèse. Le cinquième couple qui est enterré à Hebron, c'est Moshe Rabbeinu et sa femme Tzipora. Pourquoi Moshe Rabbeinu et sa femme Tzipora? Pour la simple raison que la ville Hebron, c'est Ir Miklat, c'est une ville de refuge. En Israël, il y a trois villes de refuge. Et parmi les trois villes de refuge, c'est Hebron. C'est quoi une ville de refuge? Quand quelqu'un y tue sans faire exprès, il doit aller se protéger là-bas et parfois même se faire enterrer. Alors, comme Hebron, c'est une ville de refuge, et Adam et Chava, ils ont ramené la mort au monde, alors ils doivent être enterrés dans une ville de refuge à Hebron. Et comment sait-on qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont venus réparer la faute d'Adam Arishon? C'est pour ça, eux aussi, ils doivent être enterrés à Hebron. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait ici? Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien. Et c'est pour ça qu'il doit être enterré aussi dans une ville de refuge pour faire le tikkun de cette erreur qu'il a fait, si on peut dire. Deuxième question. Je demandais, faites-moi un compte, comment on peut arriver à déduire qu'Abraham il est parti de ce monde à l'âge de 127 ans, comme sa femme Sarah, et pas à l'âge de 175 ans. La réponse est: on sait, d'après la Gemara, qu'Abraham Avinu, il s'est converti, si on peut dire. Il a découvert Hachem à l'âge de 48 ans. Et on sait tous que la vie de quelqu'un qui s'est converti, avant la conversion, ça ne compte pas dans les années de sa vie. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il s'est converti à 48 ans. Alors jusqu'à 48 ans, cette vie, elle n'est pas comptée comme une vie. Alors tu enlèves des 175 ans qu'il a vécu 48 ans, que ce n'est pas considéré comme vie, il va te rester 127 ans. Troisième question. On a dit pourquoi les patriarches y sont enterrés à Hebron et Yosef à Shrem. On a donné la réponse au début parce que tous y sont venus faire le tikkun des Adam Arishon, qui leur a ramené la mort au monde, et tous ils doivent être enterrés dans une ville de refuge. Et Yosef, il est enterré à Shrem parce que Shrem, c'est la deuxième ville de refuge en Israël. Yosef, c'est lui qui a fini le tikkun d'Adam Arishon. Quatrième question. On a dit qu'Irivka, elle était enceinte. Quand elle passait devant l'idolâtrie, Esav, il voulait sortir, et c'est tout à fait normal. Et quand elle passait devant la yeshiva de Shem et son fils Ever, Yaakov, il voulait sortir, et ça, c'était pas normal. Parce qu'il était avec un ange en train d'étudier la Torah. Il n'y a pas mieux que ça. Ça, c'est la question qui pose le Khatam Sofer. La réponse qu'il donne, il dit, il faut que tu saches, c'est lui qui étudie la Torah avec Amal Torah. Amal Torah, c'est s'investir tu mets beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, alors le salaire, il est en conséquence. Mais c'est lui qui étudie la Torah sans Amal, sans faire des efforts, il n'a aucun salaire. Yaakov, il étudiait la Torah dans le ventre de sa mère par un ange. C'est-à-dire l'ange, il lui transmettait tout. Mais Yaakov, il fallait pas que. Il faisait pas des efforts. Il disait, ça sert à rien cette Torah sans s'investir. Alors je préfère sortir et aller étudier la Torah chez des rabbanim, chez des talmidei chachamim. Je ne veux pas apprendre d'un ange. C'est une des raisons pourquoi, quand une femme enceinte, elle rentre dans une pièce, on ne se lève pas. D'après la logique, on doit se lever parce qu'elle a un bébé dans le ventre, Talmid Chacham. Il étudie la Torah d'un ange. Non,
La Torah qu'il étudie, elle n'a pas de valeur pour la simple raison qu'il n'y a pas Amal Torah, il n'y a pas l'investissement dans la Torah. Et quand il n'y a pas d'investissement, on ne vaut rien. Ça, c'est une des réponses. Et une deuxième réponse, on dit que Yaakov, il voulait sortir parce que il a dit Oy la racha, ve oy le shrenon. Je préfère être à l'extérieur qu'être accompagné avec un rachat. Cinquième question. Pourquoi il y a beaucoup plus de convertis des nations du monde occidental, on a dit, que de l'islam? La réponse est parce que le monde occidental, il vient d'Esav. Et Esav, quand il était dans le ventre de sa mère, il était en même temps qu'avec Yaakov, il était dans le même placenta. Alors Esav, il a profité de la sainteté de Yaakov. Il a été imprégné, il a transmis ça à ses générations, à ses descendants. C'est pour ça qu'ils sont attirés à se convertir vers la religion. Mais Ishmaël, qui il était dans une ventre à part, il n'était pas dans le même ventre qu'Yitzhak. C'est pour ça qu'il n'a pas cette attirance à se convertir au judaïsme. Hagar, c'est elle qui a porté Ishmaël. Et Yitzhak, c'est sa mère Sarah qui l'a porté. Sixième question. On a dit comment c'est possible qu'Esav vivait au monde avec des dents. Pour avoir les dents, il faut boire du lait. Et lui, il n'a pas bu du lait, il était dans le ventre de sa mère. C'est la question de Rabbi Yonatan ben Uziel. Il répond, il dit que quand Esav, il était dans le ventre de sa mère, il buvait dam nidata, il buvait le sang de ses règles. Et on sait que quand une femme, elle allait, elle n'a pas ses règles parce que le sang, il se transforme en lait. Et le bébé, il boit le lait, qui c'est en réalité, c'était du sang. Mais Esav, il est parti à la source directement, il a bu le sang de sa mère. C'est marqué comme ça, Vekara metare alifne sheyatsa. Et c'est pour ça qu'il est sorti avec des dents. Et en réalité, c'était des dents du lait. Mais en réalité, c'était du sang avant qu'il s'est transformé en lait. Septième question. J'ai adoré cette question. La question est, pourquoi Yaakov, il donne à son frère Esav d'abord du pain? Esav, il n'a pas demandé du pain. Esav, il a dit, allez, Etenina, Mina, Adoma, Adomazé. Comme ça, c'est rapporté dans le chapitre 26, passage 34. Pourquoi Yaakov, il a dit d'abord, mange du pain, et après, tu auras le plat des lentilles. La réponse est que y a une halakha qui dit, c'est lui qui lui attrape un boulmous. Un boulmous, c'est quelqu'un qui l'a tourné de l'œil, parce qu'il n'a pas mangé, il va mourir, il est en danger de mort. Alors, pour sauver sa vie, cette personne, elle a le droit de voler de la nourriture. Pour sauver sa vie, il a le droit de mentir, il a le droit de faire et beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais manger pas cachère, uniquement pour sauver sa vie. Et cette personne, on ne peut pas lui reprocher après, oui, tu as volé, il faut payer. Il dit non, j'étais en danger de mort, j'ai le droit. On ne peut pas lui reprocher pourquoi tu as mangé pas cachère. Oui, j'ai mangé pas cachère parce que j'avais pas le choix, je mourrais. Il a tout à fait raison. Esav, quand il arrive chez Yaakov, Yaakov, il voit qu'Esav, il a un boulmous. Il voit qu'il tourne de l'œil. Il va mourir. Il avait très faim. Yaakov, il s'est dit, d'après la halakha, Esav, il pourra annuler le contrat de la vente des droits d'aînesse. Alors Yaakov, il dit, écoute-moi bien, d'abord assis-toi, mange du pain autant que tu veux. Reprends tes esprits. Et seulement après, il lui a donné le plat des lentilles. Huitième question. Qu'elle est très belle aussi, je trouve, cette question. C'est marqué dans Gemara Baba Batra, page Tetzain, Amoud Bet, que Esav, le jour qu'il est venu demander à Yaakov de lui donner du plat, des lentilles, Avar al-Khamisha Averot Beotoyom. Il a fait cinq péchés. Rachid dit qu'il a fait trois péchés. Mais dans la Gemara, c'est marqué qu'il a fait cinq péchés. Dans Gemara Baba Batra, cinq péchés. Parmi les cinq péchés, c'est marqué qu'il est parti avec une jeune fille. Baal Nehara Amourassa, il est parti avec une jeune fille. De quelle jeune fille on parle ici? Jamais on a entendu parler une chose pareille. Et pourtant la Gemara dit qu'Esav, il a fait cinq péchés. Parmi les cinq péchés, Baal Nehara Amourassa. Alors j'ai trouvé la réponse magnifique. J'ai adoré cette réponse. Concentre-toi. Dans Prime Gadim, il rapporte un livre qui s'appelle Yad Yosef. Il dit comment c'est tous Avraham Avinu, il est mort. Veille de Pessah. Le jour de l'enterrement, Yaakov est en train de préparer un plat de lentilles, on appelle ça le plat des endeuillés. Et Esav, il arrive, et il voit ce plat de lentilles sur le feu,
Il dit à Yaakov, j'ai faim, donne-moi à manger. Yaakov, il lui donne d'abord du pain. Puisque c'est veille de Pessah, il n'y a pas de pain. Il y a quoi? Il y a la matzah. Alors Yaakov, il lui donne de la matzah. Et ça, il mange la matzah veille de Pessah. Et on n'a pas le droit de manger la matzah veille de Pessah. C'est la halakha. C'est marqué dans Gemara Yerushalmi, Psachim, Perek Vav Halakha Aleph, Aochel Matzah Be'erev Pessah, Keba la Roussato. C'est lui qui mange la matzah veille de Pessah, le 14 Nissan. C'est comme s'il est parti avec sa future femme, avec sa fiancée, avec une jeune fille. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Yerushalmi. Alors, quand on dit qu'Esav, il est parti avec une jeune fille, il n'est pas parti en réalité avec une jeune fille. Il a mangé la matzah veille de Pessah, que c'est le même péché qu'y aller avec une jeune fille. Mais il n'est pas parti avec une jeune fille. C'est pas compréhensible qu'est-ce qu'on vient de dire. Quel rapport il y a entre manger la matzah et y aller avec une jeune fille? La Gemara, elle répond, une très belle réponse, que pour pouvoir consommer ces deux-là, cette jeune fille et la matzah, tout d'abord tu dois faire sept brachot. Avant de manger la matzah, il y a sept brachot. Tu ne peux pas profiter de la matzah, tu ne peux pas consommer la matzah tant que tu n'as pas fait sept brachot. Où sont les sept brachot? Ouvre la Haggadah de Pessah et tu vas voir. Dans le Kiddush, il y a trois brachot. Borei Pri HaGefen, il y a Shehecheyanu et il y a le Kiddush lui-même. Il y a trois brachot dans le Kiddush. Après le Kiddush, on a Karpas, Borei Pri HaAdama. Après, on a Borei Pri HaGefen sur le deuxième vers. Après, on a Amotsi Lechemina Aretz. Après, on a Alachilat Matzah. Total, il y a sept brachot et seulement après, tu peux consommer la matzah. La même chose, pour pouvoir consommer, il faut d'abord passer sous la choupa. Il y a Sheva brachot sous la choupa. C'est-à-dire qu'Esav, il a mangé la matzah veille de Pessah avant qu'il a fait les Sheva brachot. C'est comme si quelqu'un y va avec une jeune fille sans faire les Sheva brachot sous la choupa. J'ai adoré cette réponse. J'ai donné les références. J'ai trouvé ça dans Prix Megadim au nom des livres Yad Yosef. Neuvième question. Pourquoi Rivka dit à Yaakov, au moment qu'il refuse d'aller prendre les brachot, il lui dit, écoute-moi. C'est quoi cette horde, écoute-moi? J'ai trouvé dans le livre Yad Yosef, toujours dans le livre Yad Yosef, il répond, il dit, il faut que tu saches que Rivka, c'est la réincarnation de Chava. Yaakov, c'est la réincarnation de Adam. Et si tu regardes dans Sefer Bereshit, chapitre 3, passage 17, c'est marqué là-bas qu'Adam, il a écouté qu'est-ce que sa femme, elle lui a dit, Chava. Et suite à ça, Hachem, il lui a donné 10 malédictions. Maintenant, Rivka, qu'elle est réincarnée, que Chava, elle est réincarnée en Rivka, Rivka dit à son fils Yaakov, qui en réalité c'est Adam, Shma Bekoli, cette fois-ci tu vas m'écouter encore. La dernière fois tu m'as écouté, tu as reçu 10 malédictions. Cette fois-ci tu vas m'écouter et tu vas recevoir 10 bénédictions. Si tu regardes les 10 bénédictions, ils sont comparables aux 10 malédictions. Je répète, Rivka c'est Chava, Yaakov c'est Adam et Yitzhak, qui viachol c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem. Hachem, il a maudit avant Adam et Chava. Là maintenant, dans cette vie-là, Yitzhak qui bénit, qui symbolise Hachem, qui viachol, il symbolise Hachem. Maintenant, il va bénir Yaakov, que c'est Adam, et il va bénir Rivka, que c'était Chava. Et Esav, c'est le serpent. C'est le mensonge. Il dit le Zohar HaKadosh qu'il faut se comporter avec le serpent, avec le mensonge, comme lui se comporte. Et c'est pour ça, Yaakov, il a pris les brachot par mensonge. Il y a 10 malédictions qu'Hachem il a données. Il y a 10 bénédictions qu'Yitzhak qui donne. On va donner que 3 parmi les 10 pour que tu vois que les brachot, c'est exactement qui remplace les klalot. HaKadosh Baruch Hu, il a maudit, il a dit Arura à Adama. Maintenant, Kadosh Baruch Hu béni, Yitzhak y béni, Mita la Shamaim, au Mishmane à Aretz. Deuxième malédiction. Kotz vedardar tatzmiach lach,
Et là, Yitzhak, il bénit, il dit, Dagan vetirosh. Troisième malédiction, Bizaata pechatocha lachem. Et ici, il lui dit, Yavdoucha amim, vishtachavu etc. J'espère qu'elle était claire la réponse, on continue. Dixième question. Pourquoi Nimrod, toujours, quand il se battait contre Esav, il gagnait, puisque Nimrod, il était vieux, Esav, il était jeune. On dit que Yaakov, il a dévoilé à Esav, il a dit, tu sais pourquoi toujours Nimrod, il te bat? Parce que Nimrod, il porte sur lui l'habit qu'Hachem, il a fait pour Adam. Et Hachem, il a brodé toutes sortes de têtes des animaux. Et chaque fois quand Nimrod, il vient se battre contre toi, il regarde une tête d'animal et il a la force de cet animal et c'est pour ça qu'il te bat. La prochaine fois, quand Nimrod, il voudra se battre contre toi, dis-lui, il n'y a pas de problème, tu veux te battre, on se bat, mais torse nu. Et c'est comme ça qu'il s'est passé. C'est pour ça Nimrod, il gagnait et c'est pour ça, hein, Esav, il a gagné à la fin, il a tué le jour qu'Abraham a vu, non, il est mort. Onzième question, j'ai adoré aussi cette question-là. C'est marqué que Yaakov, il a fait un vice à son père pour qu'il ne pourra plus manger du plat d'Esav, pour qu'il ne le bénit pas. Quel vice il a fait, Yaakov? J'ai trouvé dans un livre, Baal Moussa, c'est Rabbi Eliyahu HaKohen Mizmir qui l'a écrit. Il dit quand Yaakov il a donné à manger à son père, il a donné à son père vite manger deux kazaïtot. Un kazaït c'est pour la matzah, et deuxième kazaït c'était pour la afikoman. Et au moment qu'il lui a donné le deuxième kazaït, il lui a dit, papa, ça c'est la afikoman, mange. Et Yitzhak il a mangé la afikoman. Et on connaît la halakha. Ve'en maftirin, on n'a pas le droit de manger après la afikoman. C'est ça la ruse qu'Yaakov il a fait à son père. Il a empêché son père de pouvoir manger dans le plat d'Esav parce qu'il lui a donné manger la afikoman. Douzième question. Pourquoi Yitzhak il a aimé son fils Esav qui était rachat? La Torah dit Kitzaïd befiv. Il savait parler avec sa bouche, il chassait avec ses paroles. C'est quoi il chassait avec ses paroles? La réponse est, Yitzhak, il savait que de son fils Esav, toute la Torah chez Béalpé, toute la Torah orale, elle va venir. C'est pour ça Yitzhak, il l'a aimé. Il savait que tous les convertis, ils vont sortir de lui, que ce soit Onkelous, que ce soit Ovadia Hanavi, que ce soit Rabbi Akiva, que c'est les mêmes lettres que Yaakov. Et quand Esav il dit à son père, papa, est-ce qu'on peut prélever la paille, le maaser sur la paille? En réalité, c'était pas n'importe quoi, c'était très profond cette question, c'est pour ça qu'il a aimé. Il lui a dit, Esav, papa, un jour je vais être Rabbi Akiva. Et quand je vais être dans la grotte avec ma femme Rachel, Eliyahu HaNavi va me demander un peu de la paille. Est-ce qu'on prélève de la paille? Il y a des choses qui sont très profondes ici. Treizième question. Pourquoi Avraham Avinu, il a trois parachutes? Yaakov, il a six parachutes et Yitzhak, il a vécu plus que tout le monde. Il a que deux parachutes. Pourquoi Hachem, il s'est dévoilé à Avraham Avinu neuf fois, à Yaakov cinq fois et à Yitzhak que deux fois? Pourquoi Hachem il change le prénom d'Avram à Avraham, à Yaakov, Israël, et Yitzhak, il reste toujours Yitzhak? La réponse, elle est simple et elle est courte, et je ne veux pas m'attarder sur ça. Tout simplement, Yitzhak, il a vécu 3 ans dans le ciel. Quand son père lui a fait la Akedah, il l'a blessé. Les Malachim, ils ont pris pendant 3 ans. Yitzhak, il est resté à côté d'Hachem, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas qu'Abraham et Yaakov, ils ont eu plus qu'Yitzhak. Yitzhak, il avait plus que tout le monde. Il a vécu au ciel là-bas pendant 3 ans, jusqu'à qu'il est descendu pour se marier avec Rivka quand il avait 40 ans. Dernière question, la 14e question. Rivka dit à Yaakov, Alay, qu'il a la tra béni. Est-ce qu'on peut transmettre des malédictions? Non. Alors, écris le mot Alay, Aïn Lamed Yud. Ici, Rivka dit à son père, mon fils, pardon, elle dit à son fils, mon fils, je sais les malédictions que tu auras dans ta vie. Ça sera que trois malédictions. Alay, Aïn, Lamed Yud. Esav, Lavan et Yosef. Ne t'inquiète pas, je ne vois pas en toi que tu vas avoir une malédiction parce que tu as pris les brachot. Alors tu peux y aller, mon fils. Je t'embrasse et je te souhaite Shabbat Shalom, Chodesh Tov u Mevorach. Besorot tovot, yeshuot v'nechamot et kol tov.